n'a parlé de sujet ça qui est important, n'a parlé de grandir dans l'amour de Christ. Grandir dans l'amour de Christ. Donc, parole l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Donc, nous déjà parlé de ça, ça veut dire aimer Dieu avec le cœur. Donc, nous t'ai parlé des différentes facultés du cœur. Depuis quelques semaines, on a parlé de ça, ça veut dire aimer Dieu avec l'âme. Nous voyons que l'âme a trois facultés qui sont importantes. Les gagner intellect, les gagner émotion, les gagner volonté. Donc, nous t'ai parlé de qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu avec la pensée, avec intellect, nos capacités intellectuelles, nous, comment nous sommes capables de aimer bon Dieu avec. La semaine dernière, nous t'ai parlé de comment ou aimer bon Dieu avec émotion, qui est extrêmement important. Donc, nous t'ai parlé de ça d'une façon générale. Jeudi, on a continué dans la même lancée, semaine dernière, là. On a continué à parler de comment aimer Dieu. Avec nos émotions, mais particulièrement, nous allons focaliser sur une émotion que la Bible parlait de lit en pile et qui est un sujet de confusion pour un pile monde. Eh bien, c'est ça qui est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La peur ou bien la crainte, c'est une émotion généralement qui est représentée comme une émotion négative. Cependant, la Bible, pendant des centaines de fois dans les Écritures, l'irélez-nous pour nous gagner, l'encouragez-nous pour nous gagner, s'acquérir la crainte de l'Éternel ou bien la crainte de Dieu. Donc, on a parlé du sujet ça aujourd'hui. Donc, pour mon qui l'a, donc encore pour mon qui a fait livre de dévotion avec nous, donc nous n'avons leçon, donc pendant la semaine ça, donc nous avons leçon 69, donc jusqu'à 76 que nous avons fait, même à préviser quelques leçons que nous faisons pendant la semaine ça. Donc nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. Qui ça, la crainte de l'Éternel? Premièrement, nous allons expliquer les différentes formes que la crainte de l'Éternel capable prend, mais tout d'abord, moi je voulais parler aux deux avantages qui gagnaient. L'œil au monde gagnait la crainte de l'Éternel la caillou. Avantage qui gagnait l'orgue la crainte de l'Éternel. Ma bon, trois avantages rapidement, et puis qu'on y a, m'bral parlo, les différentes formes que peut prendre la crainte de l'Éternel. Numéro un, la Bible dit comme ça, l'œil au monde gagnait la crainte de l'Éternel. Une première bénédiction qu'on gagnait, c'est que on gagne intimité avec mon Dieu. On gagne intimité avec mon Dieu. Le psaume 25, le verset 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le... L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'orgue craint pour bon Dieu ou vins amis bon Dieu. L'orgue quelque bagay ou ta vle fait, mais parce qu'au tellement... gain respect ou tellement gain révérence ou tellement gain crainte pour bon Dieu ou pas permettre ou faire malgré ou ta vle faire bon Dieu vient approcher de vous et puis bon Dieu vient zami ou. Est-ce que l'église allait ça m'a dit hein? Donc sujet n'a parlé à l'important pile lorsqu'il y a la crainte de l'Éternel bon Dieu zami ou. Deuxièmement lorsqu'il y a la crainte de l'Éternel deuxième baga qui gagne bon Dieu protégé ou. En pile fois nous lit verset ça dans la Bible, psaume 34, verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... C'est pas autour de tout le monde. C'est pas autour de tout le monde. Gain mon en pile fois, on l'aime te prêcher un message qui te relé, est-ce qu'on en ceux? Parce que il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux. C'est pas tout le monde qui est dans ceux. Ou qu'à l'église ou pas dans ceux. Est-ce qu'on avait même? Ou ka gen gros bib nan men ou pa nan se a. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le l'homme moun craint bon Dieu li protège yo. Mais l'on pa gen crainte l'Éternel ou gen doit marcher descendre dans l'église ou vin l'église chaque dimanche ou chanter dans chorale ou dans musique ou dans hoche etc. et puis gros malheur a privé yo. Parce que l'homme manque crainte bon Dieu gon barrière de protection
ou vin perdu sous la vie. Est-ce que nous avons hein? Même déclaré ou bien la crainte de Dieu. Alléluia. Troisième avantage qui gagne lorsque la crainte de l'Éternel. Troisièmement, lorsque la crainte de l'Éternel, bon Dieu prospère. Libo prospère. Regardez ça, la Bible dit dans le psaume 112, en verset, le psaume 112, verset 1er. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve son plaisir à ses commandements. Et puis regardez, verset 2, il dit, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie, il a dans sa maison bien-être, richesse et sa subsiste à jamais. L'orgue craint l'Éternel, il bénit. La Bible dit, la caille ou bien richesse, bien bien-être. Chers amis, ça sont gros bagailles. Où est la Bible dit comme ça, moun qui craint bon Dieu, ya, qui s'al gen la kali, li gen richesse, li gen bien-être. Ou comme ça, ça veut dire? Ça veut dire, yon moun pas besoin magouye pour afo marcher. Alors, pas tant de ça, mamdjo là là. Parce que, nous vivons dans un monde côté tellement gen moun malhonnête qui prospère. Ou bien qui semblait qui prospérer. Moi dit qui semblait qui prospérer parce que la Bible dit comme ça, si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Mais tellement de monde qui semblait prospérer sans bon Dieu, gè quelquefois avant moins avant en tant que chrétien, nous qu'a penser seuls gens pour prospérer, seuls gens pour avoir marché. Seul gens pour gon bon caille, seul gens pour gon bon machine, seul gens pour gon bon travail, seul gens pour gon bonne retraite, une bonne économie, c'est pour nan faire 0 tourner 9, c'est pour nan bay menti, c'est pour nan bay coup de bas. Mais la Bible dit comme ça, heureux ceux qui craignent l'Éternel. Et puis la Bible dit comme ça, une nan bagay que la gagne la kali, y a gagné bien-être et richesse la caillou. Est-ce que le Christ ça m'a dit là? Parce que la Bible dit comme ça, moun qui craignent bon Dieu, même le l'a dormi, l'Éternel a travaillé pour lui. C'est pour l'Éternel accorder bien-être avec toute richesse en Dakayo. Déclarer c'est pour bien-être et richesse suivre au nom de Jésus. Moun qui recevoir, dit recevoir. Lors craigne bon Dieu prospère. Lors craigne bon Dieu le prospère. Ou pas besoin de travail pour bailler moun coûte langue pour jouer une promotion. Ou pas besoin de faire complot sous deux moun. Pour faire promotion, pour jouer une promotion. Ou pas besoin de faire une méchanceté pour jouer une promotion. Quand on y est, on craint bon Dieu, gain respect pour bon Dieu, vient travailler à l'heure, le boss la parler, à parler avec boss là, comme un serviteur, comme un servant de Dieu, fidèle dans son affaire. Même si tout le monde a brûlé, yo dit yo sick, hein? Yo dit yo sick, mais ou même sou pas sick, parler le sick. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit là? Lors d'un travail ou fidèle ou là à l'heure ou responsable, yo ka compté sur vous, etc. Lors de crainte de bon Dieu dans le travail là, ou jouer une promotion, toute qualité de porte ouverte devant. Est-ce que l'église allait ça m'a dit là? Donc, la crainte de l'Éternel, lors de le bon Dieu ami ou? Lors de le bon Dieu protégé ou? Lors de le bon Dieu prospéré ou? Est-ce qu'on allait ça m'a dit là? Donc, cette émotion qui est la crainte de l'Éternel, est extrêmement importante. Maintenant, moins bon les avantages. Qui sa crainte l'Éternel là? Crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est l'heure où toujours conscient de la présence de Dieu avec vous. C'est ça que va la crainte de l'Éternel, lui. On va qui traite simple. M'gen crainte l'Éternel, l'aime qu'on est tout côté mié, j'ai bon Dieu sous moi. C'est très simple, oui. Parce que tout ça nous fait, l'un fait des choses désagréables à bon Dieu, c'est blier si bon Dieu là. Paul écrit Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus. Paul était un pasteur. Paul, c'était un apôtre, il écrit à Timothée qui était un pasteur. Comment qu'on voulait? Yon homme qui pasteur yon l'église, Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse. Comment vle yon homme qui pasteur yon l'église? Et puis Paul dit, souviens-toi de Jésus. Ou comment ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un ministère, job où c'est pour parler de Jésus chaque jour. Et puis pendant un ministère, vous parlez de Jésus, vous oubliez Jésus même. Ça montre nous comment facile pour oublier Jésus. Ou qu'à lever ou à régler causes ou différents causes pendant la journée, et puis oublier Jésus. Qu'oublier Jésus?
qu'on est alvin possible pour dire une série de bagailles, faire une série de bagailles qui pas dans la volonté de Dieu. Mais depuis me songer Jésus, me songer bon, j'ai bon Dieu à garder. Me songer Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant me camper dans kitchen dans travail là, m'a fait conversation, me connaît Jésus camper dans conversation. Pendant mon bureau là, m'a tapé lettre là, ça m'a écrit dans email là, moi connais Jésus à garder. L'homme rentré dans la toilette là, pendant dans la toilette là, m'a fait une conversation dans le téléphone, m'a parlé de au monde, moi connais Jésus à attendre. Depuis me songer Jésus, m'a pris la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous avez, mes chers amis? Maintenant, quelles sont les formes que la crainte de l'Éternel puisse prendre, les différentes formes de la crainte de l'Éternel, ou bien différents bagailles qui provoquaient la crainte de l'Éternel, différentes formes que la crainte de l'Éternel est capable de prendre. Numéro un, important, numéro un, la crainte de l'Éternel est capable sortir, li capable émaner de différents sentiments ou bien perceptions que nous capables de gagner. La crainte de l'Éternel est capable de sortir trois côtés. Peut-être ou capable écrire ça. Il y a trois bagages dans la vie ou qui capable la crainte de l'Éternel. Trois côtés la crainte de l'Éternel capable sortir. Et dépend de qui niveau spirituel ou y est tant qu'on grandit spirituellement avec bon Dieu, crainte là toujours là, mais source li changé. Ou toujours gen même crainte là, mais source li changé. Gen trois bagages qui cap inspirer la crainte de l'Éternel dans la vie. Numéro un, c'est le danger. Numéro deux, c'est l'admiration. Numéro trois, c'est la gratitude. Donc, ma bo trois bagages qui cap produit la crainte de l'Éternel. Ma reprendre. Trois bagages qui cap produit la crainte de l'Éternel. Numéro un, moi dis qui ça? Le danger. Numéro deux, c'est qui ça? L'admiration. Numéro trois, c'est qui ça? Gratitude. Et la crainte de l'Éternel capable de sortir trois côtés. Premièrement, la crainte de l'Éternel capable de sortir, capable d'émaner de un sentiment de danger. Yon baga qui produit la crainte la kainou, ou bien la peur la kainou, c'est le nous senti que nous en face yon danger. Si yon moun tal ta meto sous tête kay sa, sous tête building sa, et puis la pousse ou bon point kay la, etc. La pousse ou nan précipice, soudainement gon crainte ou bien gon peur capable oui ça fait ça parce qu'on en danger devant. Chaque temps nous percevoir yon danger li produit la crainte la kayo. Et dans relation nous avec bon Dieu, yon premier baga qui ka produit la crainte de Dieu, c'est lorsque me rends moins compte que l'Éternel est un feu dévorant. Est-ce que n'avait mes chers amis? La Bible dit qu'on ça pas joué parce que la Bible dit l'Éternel est un feu dévorant. Donc, l'homme fait face moins conscient de la justice de Dieu, l'homme conscient de la colère de Dieu qui est possible, soudainement, lui produit un niveau de crainte, la caille moins, donc qui est extrêmement important. Jésus fait une déclaration par rapport à ça, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, Jésus fait déclaration ça, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais elle dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. La Bible dit comme ça, souguen pour peur. La Bible dit comme ça, pigor peur, moun ki ka détruit corps. Pigor peur, moun ki ka détruit corps. Pigor kite, yon moun ki rale, yon revolver sou ou bien yon couteau sou ou, for renier le nom de Christ. Parce que moun sa li ka détruit corps, mais li pa gen aucun pouvoir sou nom nan. Mais sous les hommes qui ka détruit corps et pour désobéir bon Dieu li même li ka détruit ni corps ni nom nan. Ça veut dire si ou gagnon crainte pour gagner, c'est pas crainte les hommes pour gagner, c'est crainte l'Éternel pour gagner. Est-ce que l'église de ça m'a dit? Et me songe yon fois
yon fwa, mte la ministère, mte gon décision, mte gon décision pou mte pran. Mais son décision qui tough. Et puis, mon petit Jean paniqué. Et puis, m'a prié sous décision. M'a jamais oublié ça. Bon Dieu te dit mon foi. Grégory, la crainte de l'Éternel te délivre de la crainte des hommes. La crainte de l'Éternel te délivre de la crainte des hommes. Il y a un courage qui surgit de la crainte de l'Éternel. Gè kèk bagay, sak fò gè kouraj pou fè yo, se paske ou telman kren bon Dieu. An doutre tèm, lò wè yon moun lâche, se yon nivou de kren de Dieu ke l manke. Ma pou repran nou? Lò wè yon moun lâche, devant décision de le prendre, son niveau de crainte de l'Éternel que le manquer. Parce que l'on craint l'Éternel, m'paka, I cannot get in trouble with God. M'tapiton en trouble avec 10 000 fois. M'tapiton en problème avec 10 000 fois. M'tapito se ou pas ta parlé avec 10,000 fois tant pour mal nan problème avec l'Éternel. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? M'pito en contravention avec tant en contravention avec l'Éternel des armées. Donc au niveau de crainte de l'Éternel ou gagner pas gain décision qu'on gain pour prendre qui fort peur qui panique ou parce que ou connaît que ça me fait à depuis bon Dieu là-dedans. Ou mettre fâché, ou mettre pompé, ou mettre tiré pied, m'pito fait l'Éternel plaisir, tant me fait plaisir. M'pito ou même ou fâché avec, tant l'Éternel al fâché avec. Parce que même si tu as fait complot ou tout yem, c'est seulement comme ou katen ou pas j'aime gaman un homme. Mais l'Éternel capable de frapper, quoi, et le capable un homme dans la géhenne pour l'éternité. Donc, pas gagné, l'homme qui a décision m'a fait pour bon Dieu, pas gagné aucun monde qui bral fait un back off de là-dedans depuis que je connais bon Dieu derrière. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit? Hein? La crainte de l'Éternel te délivre de la crainte des hommes. Est-ce que nous allons ça m'a dit là? La crainte de l'Éternel te délivre de la crainte des hommes. Donc, conquête qui bâge son sentiment de danger, qui est extrêmement important. Gardez, crainte ça, tout c'est un pile fois nous convertis. Majorité de fois nous convertis. Un pile monde qui convertit. Mais c'est la crainte qui fait nous convertir. Yon crainte qui bâge son sentiment de danger. M'a toujours raconté l'histoire, l'homme converti. Des jeunes, 14 ans à peu près, et puis yon tape chante ensemble. Jésus a vu le matin, midi ou à minuit. Tout le monde qui n'entend yo va attendre des trompettes là. Et puis, m'entendons voix qui dit, si trompette là sonne, est-ce qu'on prêt? Ou à dit, même moment, image l'enfer flasher devant. Me senti température comme à monter, comme à battre, cheveux dans la tête, moi camper, etc. Parce que me senti, si Jésus t'a venu, m'a pas paré, c'est dans l'enfer, m'a allé. Et puis, jour ça, yo pas même fait appel, même, et puis, me vine devant, me vine, Jésus la ville. Ça qui fait m'avancer. Parce que m'te gon crainte, mais qui côté crainte la sorti, li sorti de yon sentiment de danger, m'pa vle passer éternité dans l'enfer. Et ça fait son erreur grave, ces jours-ci, l'église vle li bien par exemple, toute année y'a n'a parlé de l'amour de Christ, li bien, gon temps pour parler de l'amour de Christ. Mais le fait que m'a parlé de l'amour de Christ, pa vle dit que m'pa parle de l'enfer. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Le problème nous gagne ces jours-ci, c'est que toute église seulement voulait parler de l'amour de Christ seulement. Mais l'amour de Christ là, dans la Bible à tout, mais les gens qui enseignent plus sous l'enfer, c'est réel Jésus de Nazareth. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit? Pas moi à mettre la fête. Le ciel dans la Bible, l'enfer dans la Bible à tout.
Bon Dieu dans la Bible, Satan le diable dans la Bible, tout. Les anges dans la Bible, les démons dans la Bible, tout. Est-ce que nous avons même ces jamais? Et puis ça qui passe, si nous pas veiller qu'on nous qu'avons arrivé dans le monde côté, nous tellement à parler de l'amour de Dieu, et puis nous penser que bon Dieu, c'est seulement amour que lié, tandis que la Bible dit tous les deux. La Bible dit Dieu est amour, et puis il dit aussi que Dieu est un feu dévorant. Dit tous les deux. Est-ce que l'église avait? Maintenant, le problème de l'église, c'est que il est très facile pour nous tomber dans un extrême ou bien l'autre. Gen l'église qui prêchait Dieu est amour seulement. Gen l'église qui prêchait Dieu est un feu dévorant seulement. Chaque dimanche matin vini, c'est feu dévorant ou tant. Est-ce que nous avons main? Mais la réalité est que c'est que nous besoin rendre nous compte que la Bible parle de tous les deux. Dieu est amour et Dieu est aussi un feu dévorant. Faut nous connaître tous les deux exister. Est-ce que nous avons main? Et de temps en temps, il est extrêmement important pour nous parler de l'enfer, pour nous parler du jugement de Dieu. Ça que fait ça? Parce que à ce moment, Gemoun, c'est dans niveau ça, c'est perception de danger ça, qui produit une crainte la caillou, qui fait yon commencer nos relations avec bon Dieu. C'était mon cas. Est-ce que n'avait même? Deuxième bagaille qui produit la crainte de l'Éternel, c'est l'admiration. Est-ce que ça va? L'admiration. Premier bagage qui produit la crainte, c'est le danger. Deuxième bagage qui produit la crainte de l'Éternel, c'est l'admiration. Maintenant, ça ne veut dire, gagnons-le, l'on fait commencer dans la relation avec bon Dieu. Le moi-même, moi, t'es fait convertir, ça que t'es produit la crainte, la caille, moi, c'était la peur de l'enfer. M'pas voulu aller dans l'enfer. Et c'est bien, parce que le permet, moi, font une décision qui a changé toute éternité. Mais, bonjour bagay, l'on fait converti ou gagne une crainte qui est basée sur un sentiment de danger. Mais si vous faites toute vie chrétienne, crainte qu'on gagne pour bon Dieu, l'est seulement basée sur un sentiment de danger, ça ne veut pas grandir. Ça veut dire pas j'aime connaître qui est bon Dieu. Ça veut dire pas j'aime venir gagner intimité avec bon Dieu. Est-ce que n'avait même? Parce que l'on peur yon moun ou pas gagner intimité avec elle. L'on peur yon moun ou pas en mille. L'on peur yon moun ou pas rester près elle. L'on peur yon moun ou pas envie elle. Donc l'on fait commencer ou gè doit venir, c'est peur ou t'es peur pour pas dans l'enfer, en quelque sorte ou peur bon Dieu parce qu'il est un feu dévorant. Ça c'est la première étape. Mais gon lè kounya ou besoin de grandir dans bon Dieu et puis pour découvrir bon Dieu. Et puis l'on découvrir bon Dieu. Ou regarder comment il créer l'univers, comment il créer la nature, comment il intelligent, comment il grand. L'on gado est merveilleux. L'on commence à développer une relation avec elle. On connaît qui est-ce que lié. Kounya, ou vin gen yon crainte, mais c'est yon crainte qui est basée sur l'admiration. Ou pas, j'aime ça que le gen yon moun que ou admire ou apprécie. Le gayon moun que peut-être ou te konwe nan télévision pendant longtemps. Et puis ou gen chance ou bien te kon tande parler de moun nan en pile. À cause de ça ou t'ap tande, à cause de ça ou t'ap wè, ou vin développer certaine admiration par rapport moun sa. Première fois rencontrer moun nan ou gon crainte. C'est pas ça? Première fois rencontrer moun nan ou gon retenue, ou gon respect. Yon moun ko rencontre ou habitué tande parler de li ou kembel ou gagne la haute estime ou leve moun nan première fois wel ou pa ni paraît sous do moun nan eh men ça passe va probablement c'est pas réaction ou bral rete de loin ou ap gade ou ap admire ou ap apprécie ou ke doit pas même vle approcher trop près même. Est-ce que la même chers amis? Mais ton crainte sorgain, c'est pas parce qu'on pense que moun sa bral batou. C'est pour un danger.
c'est l'admiration qui produit. Est-ce que l'église avait même gon admiration? La Bible dit comme ça que Jacob dans Genèse chapitre 28, la Bible dit comme ça que Jacob rivé dans un lieu côté la gloire de Dieu, li wè la gloire de Dieu, et puis wè yon échelle, li wè des anges qui montent et descendent en sous échelle là. L'elfin fait expérience de la présence de Dieu dans Genèse chapitre 28 verset 17. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Ou comme ça veut dire redoutable. L'œil au parler de yon bagay qui redoutable. Ça veut dire son bagay qui tellement belle, son bagay qui tellement magnifique que le produit la peur, la caillou, que le produit yon crainte, la caillou. Donc l'œil prend la présence de Dieu. Waouh! Il dit Dieu est ici et je ne le savais pas. Maintenant, c'est crainte ça tout que la Bible est la révérence. Lors rentrer dans la présence de Dieu, ou qu'on est un grand personnage qu'il a. L'homme a rentré l'an dimanche matin dans la présence de Dieu. La Bible dit servez l'Éternel avec crainte et puis avec tremblement. L'homme a rentré la caille bon Dieu, avec crainte. L'homme a rentré dans le service d'adoration. Il faut rentrer avec respect, rentrer avec révérence, rentrer avec crainte. Ça fait rentrer avec respect, révérence, crainte. C'est pas parce que je pense que coup de zéclèque va sortir dans le ciel là et puis tout le monde dans l'église là. C'est pas ça. Ça fait rentrer avec crainte dans la présence de Dieu. C'est parce que je connais tout le monde là. Mais parmi tout le monde que moi, il y a un qui est plus grand que moi. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le président des présidents. Et puis, l'aime après entrer, m'entrer avec un respect, une révérence, parce que moi, admiré, bon Dieu, ça, qui dans ça, là. Est-ce que l'église, ça, ça m'a dit, là, que bon Dieu produit la crainte de Dieu, là, caillou. Alléluia. Troisième bagaille qui produit la crainte, il n'a pas terminé avec ça. Troisième bagaille qui produit la crainte de Dieu, c'est la gratitude. Troisième bagaille qui produit la crainte, c'est gratitude. Ah. Dans psaume 30, verset 40, 130, verset 40, la Bible dit comme ça, « Éternel, si tu gardais le souvenir de nos péchés, qui pourrait subsister devant nous ?» Et puis dans verset 4, 130, verset 4, mais il dit, « Heureusement, le pardon se trouve auprès de toi. » Ça fait le dit ça. Il dit, « Et puis qui ça fait ?» Il dit, afin qu'on te craigne. Il dit, si tu gardais le souvenir de nos péchés, qui pourrait subsister? Mais il dit comme ça, malgré tout péché, nous, ou pardonnez-nous quand même. Il dit, chaque fois, pardonnez-nous, afin qu'on te craigne. En d'autres termes, l'on songe tout bagaille mal qu'on fait. L'on songe jongre ne tente dans l'évangile là. L'on songe koto ta ale, ko pata dwe ale, bagaille ou te di, ko pata dwe di. Et pour bon Dieu, pardonne ou quand même, gon koto rive ou di Seigneur mbaka pa servi ou. Seigneur mbaka ou prend trop patience avec. Ou fait trop sacrifice pour moi. Ou fait trop grâce pour me servir. Même si ou pas ta fait rien pour moi encore, ou fait assez de grâce pour me faire tout reste vivre servir. En d'autres termes, kounya ou craint bon Dieu, ça faut craindre bon Dieu parce qu'on gagne gratitude. Est-ce que nous avons mes chers amis? Gon crainte qui vini. Gon crainte qui surgit. Du sentiment de danger, gon l'autre du sentiment d'admiration, gon l'autre lui-même qui surgit du sentiment de gratitude. Bon Dieu trop bon. C'est laisse ça ou river. Et puis on dit comme ça, il a raconté l'histoire de Polycarpe, un homme qui était à peu près 90 ans et puis il a dit renier Jésus. Il a dit monsieur c'est deux bagages, c'est soit renier Jésus ou bien nous bouler ou tout vivant. Et puis monsieur fait déclaration ça. Il dit me fait toute vie à servir Jésus. Li pa jam fè mal. Comment t'a vle pour m'ta renier le jodi a? Gon crainte ko gen pour bon Dieu. C'est pas Polycarpe pa di comme ça. Et m'pa ka renier Jésus parce que si m'rete Jésus m'pa l'enfer et pas ça le dit.
Il dit, je fais toute vie, je m'observe, monsieur. Il est bon pour moi. Il protège, il campe côté, il pardonne, il fait grâce. Comment pour me faire? Renier, c'est pas le sentiment de danger qui fait le craindre, bon Dieu, son sentiment de gratitude pour tout ça, bon Dieu, fait pour lui. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit? Gon dimension arrivée dans la relation avec bon Dieu. Est-ce qu'on entend ça, m'a dit là? Parce que Anessa n'a parlé de l'amour de Christ, n'a parlé de maturité spirituelle. Tant qu'on prend dimension dans bon Dieu, ou gen crainte l'éternel pour différentes raisons. Qu'on l'autre qui crainte l'éternel pour l'enfer. Qu'on crainte l'éternel pour bâton. Qu'on l'autre qui crainte l'éternel parce qu'on est grandeur, bon Dieu. Qu'on l'autre qui fait qu'on ou qui crainte l'éternel parce que l'éternel trop bon, lui trop important, lui trop précieux, moins trop remé le trop, moins d'amour trop pour m'ta faire Jésus dans ça. Non. Jésus pas qu'a fait tout ça le fait avec nan là et puis pour me venir pour me placer dans Miami pour mal en place avec on est pour payer caï moi. L'aime garder son que ça Jésus fait non. Seigneur pas qu'a fait tout autre ça avec les fini pour mal en volant, pour mal en drogue, pour me mafia, pour me couper cou et puis pour me capable payer moi caï pour me non Jésus toi bon pour moi non. Nous t'habitons mourir. L'arrivée dans la dimension de crainte l'éternel, ça, crainte ça avec amour, vient même bagaille. L'arrivée dans la dimension ça avec bon Dieu, la crainte de l'éternel, avec l'amour de Dieu, vient tout yon seul. Parce que ça qu'il faut craindre bon Dieu, c'est parce qu'on tellement aimé. Ou tellement d'amour, li tellement important pour vous, li tellement émotionnel. C'est ça que fait la Bible dit comme ça. Côté gen l'amour, l'amour bannit la crainte. Gon dimension, l'orive dans dimension ça, qu'on y a assez pour moi, fait m'bral dans l'enfer, l'éternel a battu, moi, ils ont fait dévorer là pour ma coup de pied. C'est que j'ai, ça qu'il faut craindre l'éternel, c'est que Jésus trop important pour moi, Jésus trop doux pour moi, Jésus trop précieux pour moi, pour m'da vivre dans dimension ça. Ou pas vin motivé par un sentiment de danger, ou vin motivé par un sentiment de gratitude pour ça l'éternel fait pour vous. Que l'éternel aide nous pour nous toutes grandir dans la crainte de Dieu. Alléluia. En nous bâillons, bon Dieu, un applaudissement. Alléluia.